t'en supplie. Bobby, me dis pas que t'es encore en train de regarder le film Pokémon. C'est pour l'école. J'ai un exposé à faire dessus. Pikachu. Pika. Pikapi. C'est donc ça que ça fait d'avoir un habit. Fonzie. Être papa de trois enfants, c'est pas facile tout le temps pour Franzi. Franzi. Avec ses trois petits mômes aussi vilains que des gnomes, oh Franzi. Franzi. Oh putain, c'est de la merde. Bon. 3, 2, 1. Partez ! Plus vite, dépêchez-vous ! Pa-la-pa-pa-pa. C'est bien, fiston, je suis fier de toi. Toi, t'es un vrai gaillard qui mange vite, hein. Pas comme tes frères, là. Bande d'incapables. Bon, c'était quoi le truc que tu voulais me demander, tout à l'heure? Je peux inviter des amis à jouer à la PlayStation cet après-midi? Nope. Bon, quelqu'un d'autre a une question débile? Moi aussi je peux inviter des amis. On va regarder un film après manger. Arrête ton char, Bobby, t'as pas de potes. La déception de la famille. Excellent, fiston. Vous allez voir. Franchement, Rodrigo, si avec tout ça j'arrive pas à me faire un copain, c'est que je suis vraiment la déception de la famille. Me regarde pas comme ça. Toi, c'est pas pareil. T'es pas mon ami. T'es mon frère. Enfin, je crois. Tu comprends ce que je dis au moins ? Bon ben, je vais à l'école, moi. C'est bien que tu en parles, Bobby. Parce que l'influence du pouvoir et des grandes institutions étatiques semble imposer sur les programmes scolaires
une pensée aliénante et orientée vers un consumérisme désinhibé. C'est reparti pour un tour. C'est bien Thierry, t'as raison. Mais tes parents sont pas encore prêts à entendre ça. On n'est pas dimanche aujourd'hui ? Super bouteille. Putain, mais ton poids là, c'est moi qui fais tout là, tu fais rien. Salut, t'as déjà vu le film Pokémon? Tu es bizarre, toi. Désolé, tu veux pas venir le regarder chez moi? J'ai vraiment besoin d'avoir un ami là. Toute ma famille se moque de moi. Ton existence ne m'intéresse pas beaucoup. Je suis actuellement occupé. Attends sur le banc, je viendrai vers toi. Mais il me prend pour un débile. Mais viens s'il te plaît, j'ai deux grands frères, ils sont super cool. Oh, je suis sûr qu'on va passer un super bon moment. Et il y a papa Franzi aussi. Il est un peu bizarre en ce moment mais... Ah, et j'ai aussi un petit singe, il s'appelle Rodrigo. Je viendrai. Ok, ben mon adresse c'est le 24... Pas besoin, je trouverai, fais-moi confiance. Super! Ah, il m'énerve ce jeu à la noix là! Ah! Désolé, je t'avais pas vu. Ma jambe. Attends, Nicolas est tombé dans l'escalier, faut que t'appelles une ambulance, c'est important. Mais putain, tu vois pas que je travaille là? C'est important. Mais papa. Ne reviens pas me déranger! Je suis sur un gros coup là! Bon allez, j'y retourne! Allez! 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 Saloperie de CIA! Yes! $5,000. Comme ça. Yes. Relax, t'inquiète.
Il va s'en sortir. De toute façon, il n'y a rien ici. Ça fait mal de mourir? Ah, j'ai rien senti. Ça te fait pas bizarre de me voir? Non, c'est comme ça depuis que je suis tout petit. Je m'y suis habitué avec le temps. Et tes parents? Ils ne savent rien. D'ailleurs, ton père, il m'a pas raté. Hein. Si vous le dites. À vrai dire, si je suis venu, c'est pour te parler. Tu cours un grand danger. Chut. Les murs ont des oreilles. Quelqu'un. Quelqu'un, ici. Cherche à te faire du mal. Attendez. C'est vrai que, depuis le début, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui cloche. Mais Bobby, enfin, non! Bah, qu'est-ce que j'ai encore fait? Laisse tomber. Gna gna gna. Tu peux pas comprendre. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce poisson que t'as dans les mains? Reviens. Je sais que tu vis encore. Espèce de gros débile. Mais c'est comme dans le film, là. Ça marche. Tu nous fais quoi, là? Bah, ça se voit pas. Je prépare un goûter pour mon nouvel ami. N'importe quoi, encore des bobards. C'est pas des salades, il va arriver d'une minute à l'autre. C'est ça. Pikachu! Quoi? La patinoire? C'est là? Sont où tous les autres? Parti à la patinoire. Quoi? La patinoire? Dis, tu crois que j'aurai un ami un jour? Bah, Bobby, bien sûr que t'auras... Parce que j'ai invité un ami et... il est pas venu. À vrai dire, je crois que tout le monde se moque de moi. En particulier ma famille. Bobby... Bobby, on dirait que ta mère a encore oublié de venir te chercher. Non, elle doit sûrement être en train de travailler. Maman! Madame Pipetti, je peux vous parler deux petites minutes, s'il vous plaît? Va jouer avec tes cartes, Bobby. Maman t'a parlé à la maîtresse. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai eu toute la famille Pipetti en classe. Nicolas était exceptionnellement doué, bien qu'un petit peu hyperactif. Quant à Thierry,
Il faisait preuve d'une imagination et d'une sensibilité rare pour un enfant de son âge. Mais Bobby... Bobby... Vous avez déjà pensé à le faire euthanasier? J'en parlerai à mon mari ce soir. Vous vous rendez bien compte qu'on peut pas fumer ici quand même? Pas besoin d'être si désagréable. On peut entrer à la maison maintenant. Maman, tu m'aimes en fait? Écoute, il faut que j'aille faire la vaisselle, ton père va rentrer, c'est très urgent. Ah! Vous êtes qui, vous? Yo! Sortez de chez moi. Mais attendez, je suis un ami de l'enfant numéro 3. Ah, vous êtes le nouveau copain de Bobby. Ouais, tout à fait. Il est dans sa chambre? En haut, première à gauche. Vous voulez un café? Non, merci. Je bois pas. Alors, voyeur. Hey! Salut, mon gaillard. Bah, vous êtes qui? Vraiment sympa, ta chambre, hein. Vous êtes qui? Ton nouveau meilleur pote. Bah, c'est pas vous que j'ai invité? Non, pas grave, c'était mon petit frère, mais il est tombé malade. Ah! Vous êtes le grand frère du garçon dans le parc? Ouais, c'est ça. Vous voulez quand même jouer avec moi, du coup? J'aimerais bien, tu sais. Mais à vrai dire, si je suis ici, c'est pour une raison complètement différente et assez urgente. Est-ce que t'aurais remarqué quelque chose dans ta famille d'étrange? Non, je crois pas. Du genre, quelqu'un qui n'était pas là, qui est maintenant là, ou qui n'est pas vraiment soi-même? Non, je crois pas. Un singe? T'as pas vu un singe chez toi, petit? Ah bah si, vous voulez voir Rodrigo? Ouais, c'est bon, je l'ai retrouvé. Monsieur? Oui, petit. Rodrigo est là, vous voulez le voir? Quoi? Tu fais appeler Rodrigo maintenant? Écoute, faut que tu reviennes. La situation est grave. Très grave. Bah alors, vous êtes le premier que je vois qui lui parle comme ça. Mais il peut pas comprendre, c'est un singe. Regardez. T'es un gros dégoûtant. Vous voyez? Pas de réaction. Petit, repose le singe. Lentement, tu sais pas de quoi il est capable. Rodrigo, enfin, pourquoi t'as fait ça? Pour une fois que j'avais un ami. Pas cool. Ah! Arrête, petit! Bon, ça vous branche une bande dessinée? Chouette! Ça me manque, cette époque. Merci, Bill. Eh oh, pas trop vite, malheureux. Attends 10 minutes au moins. Boule, ton réveil a sonné depuis
un quart d'heure. Tu te lèves. Ah bah t'as fait un gros dodo. Tu pars déjà? Bon ben, techniquement, j'ai un ami. Hey, Bobby! Alors la patinoire? Trop bien, j'ai adoré. Je patinais tellement bien que les gens m'ont donné un prix. Mais il est tombé. Je crois que c'est 7 ans de malheur. Évidemment, j'ai pas pu profiter complètement, mais c'était quand même bien. Et toi, t'as fait quoi? Eh ben, vous allez pas me croire, mais j'ai invité un ami pour la première fois. N'importe quoi. N'importe quoi, t'as pas de pote. Si, même que maman l'a vu. Hein, maman? Camion de glace qui veut des glaces. Moi Ils sont quand même sacrément bizarres des fois quand même, non? Ça c'est sûr. J'ai arrêté de faire attention à un moment. Ouais, je comprends. Bon, je vais me coucher. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Bobby. Bonne nuit. Bonne nuit, loser. Non, je rigole. Bonne nuit. Bon, les enfants, vous écrivez bien votre prénom en haut de la copie. Et vous ne coloriez pas les animaux. Je répète, ce n'est pas une interrogation de coloriage. Oh, je comprends rien. J'ai déjà du mal à écrire en français. Alors une autre langue. Bobby, ça fait 4 fois que tu redoubles le CE2. Tu devrais pouvoir y arriver maintenant. Il peut pas comprendre, madame. Il est dyslexique.